Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Une courte vidéo, à mon avis, elle sera pas très longue. Pour vous dire que. Non, 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 non. Non, le son n'est pas trop fort. Non, Clash of Clans n'est pas mort. Non, la guilde n'est pas morte non plus. Enfin, le clan en l'occurrence. Tout va toujours bien. Oh, descend encore. Voilà. Tout va toujours bien. J'ai pas trop eu le temps de tourner des trucs ces temps-ci. Mais dans l'ensemble, ça tourne toujours. Ça marche toujours très bien. Hop. Vous voyez qu'on est toujours, là. Le clan, il est là. Il va toujours bien. On est environ une à deux guerres par semaine. En fonction, il y a toujours notre forum qui marche. Team Tado. Team Pointado 87.be. Fatigue, moi. Est-ce que je vous propose, c'est d'aller un peu chercher un petit ennemi à attaquer. Parce qu'en fait, pour le moment, je suis donc à la limite de pas pouvoir upgrader mon château de clan. Mon problème, c'est qu'il y a deux choses qui me manquent. De l'or pour monter mes murs. Mes murs doivent être montés expressément. Il faut qu'ils fassent peur, que les joueurs n'aient pas envie de m'attaquer. Le moment où je dépose le truc. Est-ce que ça vaut la peine? Alors pour le moment, je suis en train de développer une technique qui consiste à attaquer au gobelin. Pourquoi? Parce que les gobelins ont quand même un gros avantage sur sur les unités normales. Elles attaquent beaucoup beaucoup plus vite les ressources. Et moi, mon objectif, c'est de farmer les ressources, pas du tout les trophées, comme vous le savez. Et hop, voilà. C'est très bien. Et donc, je capitule aisément, sans aucun souci. What the fuck? Bon, je me suis fait avoir. Hein. Là, j'ai dépensé des ressources pour rien, comme d'hab. Hein. On va pas changer l'équipe qui gagne. On va directement réattaquer. On va regarder ce que j'ai en stock. J'ai amplement de quoi réattaquer quelque chose d'autre. En fait, c'était en stock qu'ils avaient les sous. Donc, j'ai attaqué pour rien. Pour rien du tout. Ici, 48, il n'y a rien. Il n'y a que deux. Ah, ben voilà. Voilà un château intéressant à attaquer. On va l'attaquer par ici. Et hop, alors dans ce cas-là, je tente de sortir ceci. Et maintenant, on se lâche. On va mettre un petit sort de soin au milieu de tout. On sait jamais. Et quand même, vu que on est plutôt bien parti, ce qu'on va faire, c'est lâcher dans le paquet. Tenter quand même d'essayer de faire masse les gars. Hop, les 5 ici, là, voilà, on a autant essayer de faire un peu de bénéf. Ce qui serait bien, c'est qu'ils attaquent bien l'or là. Ils font pas plus. On va terminer là. C'est pas si mal. C'est pas si mal. 190 000 de trucs. C'est pas si mal quand même. Hop. Vous voyez qu'en fait, oui, tiens, j'ai refait des trucs. Ça c'est farming. Vous vous en doutez. On va vous montrer la base de guerre actuelle. Modifier le plan.
C'est la base de guerre. De guerre, c'est celle que j'utilise. Avec, vous voyez les murs qui sont protégés ici. On pourrait presque essayer de. Voilà. Déjà un peu mieux. C'est bien aussi. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Celui-là, il va ici. Celui-là, là. Celui-là, ici. Et celui-là, là. Tiens, j'ai encore 25 murs en plus qu'on va rajouter. Là. Ici, comme ça. On va rajouter une bombe ici. Ça là. Ça là. Et celle-là. Là. On sauvegarde. Et là, on a enfin un village qui tient la route. Gardons celui-là. Je sais plus du tout où j'en suis. Me semble pas. L'autre est plus opti, il me semble. Celui-là me semble plus opti. Comme celui-là utilise tous les murs. En fait, c'est celui-ci qui est plus opti. Parce qu'il utilise déjà tous les murs. Bon, ben, hop. On va pas refaire tout ça ensemble, hein, à chaque fois. Voilà, mais qu'en fait, je vous explique, j'ai pas grand-chose à faire sur cette vidéo. Je voulais juste vous montrer un peu où j'en étais, vous tenir au courant de la guilde, du clan, tout ça, vous prévenir que bah, tout va bien, qu'on avance bien, lentement mais sûrement. Ok. Et ça, c'est un une base un peu hybride, c'est une hybride entre les deux. Donc vous voulez avoir quelque chose de plus ou moins de défensif et offensif, enfin entre guillemets, qui permettait de faire les deux. Et voilà comment j'ai fait celle-là. Hop, alors oui, j'ai toujours ça. Alors pour le moment, je suis en train donc d'augmenter mes murs lentement. Ça va coûter beaucoup trop cher, mais hop. Hop. Et également de augmenter les casernes. Donc j'ai, comme vous l'avez vu, les débloquer ça. Alors ici, ça pour le niveau 9. Donc ça, on est bien large. Mais le prochain niveau à débloquer ici, c'est niveau 7. Et je pense que je vais pouvoir le faire bientôt. Donc on va pas hésiter à le faire dès que j'aurai les ressources qui peuvent le permettre. Tac. Ici, j'ai pas d'or. Tout va bien. Bon, les amis, on va se laisser là. De toute façon, c'était vraiment une courte vidéo pour vous montrer un peu où on en était. Alors, je regardais quand même combien de temps on en est. 46, 56. On a 10 minutes de vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre le clan. Il faut aller sur le forum pour ça. À très très bientôt. Salut, salut. Bye bye.